Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les DP que j'ai finis et les DP à faire que j'ai achetées dans différentes, entreprises, sociétés, comme vous voulez. Donc là, on est surtout basé sur, à mes débuts, donc sur l'éternel. Donc, on a celle-ci. Alors, me prenez pas la tête en me disant « Oh là là, le plagiat !» Oui, je sais, elle ressemble un petit peu à celle qu'il y a en ce moment chez DAC, mais moi, j'y peux rien. Je vous laisse regarder l'image, voilà. Voilà, il y a celle-là que je trouvais très très jolie. Donc voilà, oui, j'aime bien tout ce qui est un petit peu sang. Je trouve ça sympa, c'est joli, parce qu'en même temps, c'est romantique, en même temps... Celle que je vais vous présenter, à mon avis, vous n'allez absolument pas aimer parce qu'elle est très très dark. Moi, je l'adore parce que c'est une artiste que j'ai toujours adorée. Malheureusement, elle est décédée très très jeune. Voilà. Donc, je vous la montre. Effectivement, elle est très dark. Oui, je vais manger. Je vais manger du noir. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il n'y en a que 20. Ah oui, attendez, en fait, je vous ai pas dit. Là, je suis sur 23. 23 couleurs, il n'y a pas de AB, hein. Donc moi les AB, je vais tous les rajouter ou je vais rajouter des strass. Là, je ne vous ai pas dit non plus le nombre de couleurs. On est sur une 28 couleurs pour une 40 sur 50. Il n'y a pas de AB non plus, je vais en rajouter. On est sur une 50 sur 60. Sur celle-ci, on est sur une 50 sur 60 aussi. Celle-ci, elle vient de l'éternel aussi parce que j'aime beaucoup cette actrice. Voilà, parce qu'en plus, il y a une hyène ici. Donc pareil, on est sur une 25 couleurs, une 40 par 50. À voir ce que ça va donner. Je vais peut-être ajouter des strass aussi. Donc voilà. Encore, donc là, ça c'est mon cahier de stockage de DP fini. Donc celui-ci, un sphinx. Que j'adore parce que c'est une race de chat que j'aime beaucoup beaucoup. Je sais pas si vous voyez, c'est une race de chat sans poil. L'éternel en rond. Donc moi j'encolle tous mes DP finis, je les encolle avec de la colle de chez Cultura avec des paillettes bleues. L'autre vidéo, je vous avais dit que j'aimais pas comment il s'appelle déjà le magasin. Ah oui, les DP d'action, mais celui-ci j'ai trouvé sympa, le petit chameau. Quoi, le petit chameau quoi. C'est une taille respectable. Ce que je vous ai montré la dernière fois, c'était une taille de une feuille A4 quoi. Et ça, c'était pour le défi de. Donc ça vient de Spell Queen. Et c'était pour le défi de Lorraine pour Halloween. Donc vous voyez, j'en ai pas mal encore à remplir. C'est bon, j'ai encore de la place. Si vous cherchez ce grand rangement là, il est sur Amazon. Vous tapez. Je crois que c'est trieur ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est tout simplement une pochette à dessin que j'ai achetée à Carrefour pour 5 euros. Où mes grandes épées peuvent rentrer. Quoi. Mes grandes épées, tout est relatif. Hein. Bien sûr, quand je fais des nappes, des bâches, ça ne va pas rentrer. Hein. Mais voilà. Donc, vous pourrez trouver chez à Carrefour. Pas chez Carrefour, à Carrefour. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.